bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle matinée à Animal Kingdom. Et cet après-midi, on ira à Epcot, puisqu'on est sur les 4 derniers jours de notre voyage. Donc, du coup, on a décidé de couper en deux les parcs. Mais je vais pas vous mentir que très sincèrement, Universal Studios nous manque déjà. Donc, c'est fort possible que demain, sur la journée de vendredi, comme on avait dit que c'était une journée de off, c'est fort possible qu'on retrouve du coup à Universal Studios. On sait pas trop encore ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va plus faire du Disney Springs pour acheter les souvenirs et ensuite on ira à Universal. Et là, du coup, je suis devant Animal Kingdom et en train d'attendre. Du coup, on vient de passer le passage de sécu que vous voyez derrière. Je suis en train d'attendre que le parc y ouvre puisque du coup il est 8h du matin et le parc est déjà en train de faire rentrer le monde. Vous savez, par rapport à l'attraction Pandora, je vous avais déjà expliqué dans la précédente vidéo de la semaine dernière. Là du coup c'est rewind, hein. Voilà, on est venu de bonne heure, on est mis un quart d'heure plus tôt que la dernière fois pour pouvoir faire du coup Flyer's Passage. Et encore une fois c'est blindé de monde, il y a encore une fois beaucoup de monde devant, beaucoup d'attente et du coup je pense qu'on aura facilement encore une fois une heure d'attente, mais je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Ils sont comme moi, ils font des droites, gauche, droite, gauche. Et grâce à eux, en les suivant, on a réussi à se retrouver franchement vraiment devant. Donc on est assez contents. Là du coup, comme vous le voyez derrière moi, je suis déjà dans la file d'attente principale. J'aurai pas la même file d'attente que j'ai eu la dernière fois, parce que je suis vraiment partie des tout premiers. Donc je vous conseille d'être à Animal Kingdom entre 8h et 8h moins le quart. À mon avis, c'est le bon moment pour pouvoir être dans la bonne file d'attente et attendre moins d'une heure. Donc c'est vraiment pas mal, je pense qu'on aura le temps de faire l'attraction quand le parc sera pas encore officiellement ouvert. Donc ça c'est vraiment cool. Donc écoutez, je vous reprends à la fin de l'attraction. Si je peux filmer un petit peu à l'intérieur, je vous filmerai sans problème. Et puis à tout à l'heure les amis. Cette attraction quitte à attendre, c'est vraiment un monstre d'attraction, il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Vous êtes totalement plongé dans la vie d'un avatar, dans le monde d'un avatar. Il y a les odeurs, il y a les sensations, il y a vraiment tout. C'est vraiment l'une de mes attractions préférées à Disney. J'adore vraiment la thématique, on est plongé à l'intérieur. J'aime beaucoup aussi l'assise qui change pas mal des attractions comme Soarin, etc. Où du coup on n'est pas assis mais on est plutôt comme sur une moto. C'est vraiment vraiment super sympa, on sent le Banshee respirer entre nos jambes, c'est vraiment super stylé. Personnellement, un très très gros coup de cœur pour cette attraction, elle vaut vraiment le coup. Ouais.
On est sorti, on est reparti, donc on le refait une seconde fois parce qu'après il y avoir un petit peu plus d'attente dans la journée. Donc comme on reste à Animal Kingdom que la matinée, on le fait une deuxième fois. On est parti. Avatar, ouais, moi je préférais manger à l'intérieur. Ouais. Bon les amis, du coup on est au restaurant d'Avatar et du coup on mange de la bonne bouffe parce que c'est servi dans de vraies assiettes et tout. Ça a l'air vraiment bon. Alors en fait, c'est le concept, c'est vous choisissez ce que vous voulez comme viande. Ensuite vous choisissez ce que vous voulez comme légumes ou comme accompagnement. Donc moi j'ai pris des pâtes, j'ai pris du poulet et du bœuf. Et ensuite vous choisissez votre sauce. Et tout simplement ça vous fait une super belle assiette. Hein, je vous montre juste là. Ça vous fait vraiment une bonne assiette. Donc écoutez, on va goûter ça et je vous reprends juste après. Beaucoup de monde. Et là du coup on est à Epcot, voilà, on vient de passer le passage de sécurité et on se fait un petit single rider en test track puisque du coup il n'y a vraiment personne. C'est le moment de mettre un petit peu d'action et de vitesse dans notre journée, donc voilà. Donc du coup on est tous les deux en single rider, comme ça on travaille une voiture séparée, mais au moins on passera un peu plus vite parce qu'il y a une bonne quarantaine de minutes d'attente. Comme on a des fast pass juste après, ce sera très bien comme ça, donc voilà. Et puis je vous reprends juste après puisqu'on compte aller au club Coca-Cola. Comme vous le savez, enfin non, vous le savez pas puisque la vidéo sortira plus tard, mais aujourd'hui on est le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin. Donc du coup, avec mon chéri, comme on est à Disney, ce qui est déjà un très très beau cadeau, on a décidé de se lancer un petit défi. En gros, le défi, c'est pas compliqué, on a chacun 50$ de notre budget et on doit se trouver un cadeau pour offrir à l'autre en fait. Donc du coup, on a fait Animal Kingdom ce matin et on n'a rien trouvé qui plaisait à l'un ou à l'autre. On se demande quand même personnellement s'il y a des trucs qu'on préfère. Et pour la première fois, mon chéri, il a décidé de m'abandonner. Il m'a dit d'aller au club Coca-Cola. Donc juste derrière moi, vous savez, là on peut goûter les Coca-Cola. Et de l'attendre. Moi, je sais ce que je vais lui acheter, donc je peux vous le dire. Je vais déjà lui acheter un paquet de popcorn sucré chez Verdez. Qui se trouve du coup en Allemagne à Epcot, puisque du coup je sais qu'il avait raffolé des popcorn sucré, donc du coup je vais lui en prendre. Et lui, il m'a abandonné dans le parc. Et je sais pas où il est, voilà. Je crois qu'il est au truc de Vince, mais je suis pas sûre.
Donc dans tous les cas, je vous montrerai pas, puisque je vous montrerai du coup dans mon hall Walt Disney World. Donc voilà, c'était la petite aparté spéciale Saint-Valentin. Moi pour ma part, je suis vraiment super contente d'être à Disney. Je suis un petit peu malheureuse parce que bah, du coup je vais sur mes derniers jours comme je vous ai dit ce matin, puisque là ce matin Animal Kingdom c'était la dernière fois que je voyais ce parc. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur parce que bon bah c'est la fin les amis. Et là du coup je suis un petit peu triste d'être à Epcot parce que Epcot c'est vraiment un parc que je kiffe de fou, c'est l'un de mes parcs préférés du coup. Et du coup bah, j'ai un petit peu mal au cœur de le quitter ce soir, mais bon je vais le quitter sur une belle touche finale puisque je vais aller voir le spectacle. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup bah, vous aurez bien vu lors de notre 14e jour et je compte vraiment bien vous vlogger chaque jour de mon voyage. J'espère que les vlogs vous auront plu. Et puis bon bah c'est pas terminé. Donc bah, dès que mon chéri aura décidé de revenir, on passera au Club Coca pour la dégustation. Moi j'ai envie d'essayer du Japan. Moi j'ai envie d'essayer celui-là, le Raspberry. Ça vient d'où ça? Américain, c'est pas marqué. C'est vraiment t'as vu les trucs là? Zimbabwe. Et moi Thaïlande, melon. Il se passe. Oh, stop, stop, stop. Wow. Ouais, ils ont pas conçu le truc pour le gobelet, les gars. Au moins, vous savez. Ok, mon bébé, il est en train de boire du Fanta Pastèque et moi, je bois du Starberry. Ça va, ça ah, va. Moi, ça sent le bonbon chimique, qui sent. Ouf. C'est le... Ouh. Moi, ça va, Fanta Pastèque, ça va. Oh, franchement, ça se laisse boire. On ne boirait pas une bouteille. C'est celui qui vient du Zimbabwe. Il s'appelle le Spar Veta. Bon, j'en boirais pas une bouteille entière. Le Fanta Pastèque, c'est tout mieux. Ah ouais? Ah ouais. Bon, je vais goûter le Fanta Pastèque du coup. Toi, goûte le mien. Alors, qu'est-ce qu'on peut goûter? Je les bois pas tous parce que c'est bon, mais... Il n'y en a pas, il y en a plus. Ah, attendez, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens... Des roues, il n'y en a pas. Et ben, on ira après. Là, j'ai goûté. Alors les... toi, c'est celui-là, non? Fanta Melon. Ouais, trop bon. Donc, on va essayer le Thaïlandais. Ouais, en fait, moi, j'ai appuyé deux fois. Moi, j'ai goûté le Bibo DJ Kiwi donc, Mango. Il écoute celui-là. Ça, où ça fait gars? C'est bien la couleur. Voilà, c'est vert. Moi aussi c'est vert, et du coup c'est le pastèque qui vient de goûter. C'est pas pastèque, c'est melon. Bon. C'est melon ça. C'est que ça. Melon. Oh c'est melon. Mmh. Est-ce que c'est normal que ce soit pas pétillant? Ça c'est pas. Mais c'est trop bon. Tu veux qu'on essaye une autre fontaine? Bon ça c'est pas mal, hein. Le melon c'est bon. J'aime bien les expériences cheloues, mais là c'est l'expérience chelou. Non, il parle pas de pétillant, tu vois. Alors, du coup, je dois goûter. Tu voulais que je goûte lequel? Le Japon, hein. Bon, je pense que c'est le Japon qui voulait que je goûte. Du coup, c'est vert. Ah, mais le Japon, il y en a pas. C'est lequel que tu voulais que je goûte, Best? Bon, je vais goûter le Fanta Pineapple. Bon, alors, le Fanta Pineapple, c'est jaune, du coup. Et ça vient de Grèce. Du coup, moi, je goûte le Fanta Pineapple. Okay, aussi. Et moi, le Inca Cola du Pérou. Le Inca Cola du Pérou. Allez, santé. Parti. Ah, ça, déjà l'odeur. Oh. Ah non, ah non. Non. Moi c'est vraiment la nana chimique. Hein. Ah mais moi ça fait vraiment pineapple, un peu peine. Pour y s'y habituer au Pérou, mais il faudrait en boire quelques gorgées quand même. Ok, t'as vu la première elle se prend. Elle est pas trop sucrée, mais quand même. Non mais c'est bon. Le goût de médoc quand même. Ouais. Ou pineapple, c'est quoi ça que je bois? Fanta pineapple. De Grèce? Ouais. Fanta pineapple. Ça va. Bon, on teste le pire là, celui que personne aime. Beverly? Attends, moi il me manque... Inca Cola, on l'a pas Japon. Fait. Japan, il manque. Ouais, moi Japan, bah oui, Japan, on a pas pu le faire bien, bah ici, là-bas. Ah, ça y est, j'ai le Japon. Moi, je suis le seul à finir tout badass. Très bon. C'est quoi? Il y a marqué quoi? Japon. Je sais pas, mais c'est très très bon. Il n'y a pas de carbonate à l'intérieur avec abricot passion. Ah, et le Japon, vous pouvez le boire en entier. Il est vraiment très bon. C'est un jus. Il dirait du tropico. Ouais, c'est ça. Franchement, il est bon. Là, on est en train de faire Brésil et comme bébé, il n'a pas goûté le Zimbabwe, il fait ouais, du Zimbabwe. Il fait du Zimbabwe. Ouais, le Zimbabwe, je le trouvais bon. On dirait les sucettes rouges. Ouais, t'as vu? Franchement, on dirait du bon. À Brésil, ça sent bizarre. Ah, à Brésil, j'ai pas envie. Ah, Brésil, j'ai pas envie. Ouais, chimiste, c'est bon. Ah, Brésil, on dirait du shampoing. Ah, bien ça. Je crois que t'as raison, c'est une pomme, je crois. Du shampoing, un peu moins bon, mais du shampoing quand même. Trop pétillante avec le shampoing. Ouais, bon, génial, c'est vraiment pas ça. Ouais, tu vois, le shampoing, là. Bon, soi-disant, je fais du. On dirait du
acide à l'eau, quoi. Ouais, t'as vu ça. Ça s'appétit, mais ça s'appétit pas vraiment. Bon, vas-y, le plus dégueulasse, du coup, le bleu Beverly. Disons, c'est le plus dégueulasse. Personne n'arrive à le boire. Ça me plaît beaucoup, le Brésil. Ah, bah déjà, l'odeur, c'est mort. Mais c'est mort. Moi, ça va me faire vomir. Vraiment. Voyons. Ah, mais c'est mort. C'est du médicament. Ça va. Ah ouais? Ça va. Moi, ça m'éclate pas. Mais le Brésil. T'as la ville, ça a le même odeur. Oh, Brésil, non. C'est le meilleur. Ah, je goûte pour la vidéo, mais franchement, je goûte pour la vidéo. Alors, bah, l'odeur, ça va, après le goût, c'est pas. Oh, on a un médicament, les gars, en France, qui a ce même goût. Quand vous êtes gamin, vous pouvez pas le boire sinon vous vomitez. Ah, oh, non, mais non. Non, mais... Ah. Ah, c'est impossible qu'en Italie, ils boivent ça. C'est cheap. Oh là là. En fait, on aurait dû. Oh là là. On aurait dû. Je fais pas du fail, franchement, c'est dégueulasse. On aurait dû commencer par celui-là. Ah, putain, c'est dégueulasse. Ouais. Alors, c'est attends. Fail. Ce que j'ai pas goûté, je crois que c'est le Pérou. Bon bah je vais partir pour le Pérou hein. Moi je les aurais tous fait. Donc le Pérou est jaune aussi. Voilà, j'essaie de vous montrer. Hop. Oh. Il est jaune de plein. Et du coup, je vais te dire, est-ce que tu veux qu'on fasse un classement ici? Ah attends. Du coup j'essaye le Pérou, t'es pas fait. Le Pérou j'ai bien aimé, hein. C'était quoi ça? Va te passer le goût de l'autre. Non, le Pérou il est bon. Le Pérou il est bon, j'en boirai pas tous les jours. Bon sincèrement je préfère le coca à tous les trucs que je viens de goûter. Et il aime bien celui-là. Bon bah voilà, du coup vous aurez assisté en direct à la dégustation au Cool Coca-Cola, donc au Club Cool. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à y aller, ça prend 5 minutes, c'est un bon délire. C'est gratos. Ouais, il dit Gringotts parce que c'est des ratchous, voilà, des radins. Parce qu'un ratchou c'est chez nous, c'est pour les team Perpignan. Et vous voyez que derrière vous avez plein de produits dérivés de Coca-Cola, un petit peu comme à la boutique officielle que vous avez à Disney Springs. Donc ça peut être sympa pour vous si vous voulez acheter des goodies. Vous avez aussi pas mal de bonbons du coin. Il est bon le sens, les gars. Haribo dans la boutique. Donc ça peut être pas mal si vous voulez vous acheter quelques trucs, etc. Donc du coup, bah, sur ce, bah, on va continuer, hein. Je pense qu'on va partir soit manger un petit bout, soit je sais pas. On va continuer en tout cas notre visite d'Epcot parce que ce soir on aura le spectacle. Bon les amis, on vient de finir la dégustation et du coup on est en train de faire les... 13 Caballeros. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'attente, enfin, en tout cas je pense pas, comme les bateaux sont en continu. Donc ben, tu peux arrêter de m'agaler comme ça. Bon ben on va s'amuser et puis voilà, après on verra ce qu'on va faire. Moi j'aurais bien mangé une petite glace, mais là en fait on est au Mexique et ça sent grave le taco. Vous voyez la chips là? Non, ça fait comment ça? Nachos. La nachos, c'est ça. Moi j'aurais bien un petit paquet de nachos là je crois. Hein. C'est quand même bien sympa ce petit restaurant. Ce restaurant est magnifique. C'est pas en France, bâtiment. Non, je pense pas. Bon, d'ailleurs on est sorti. Du coup là on s'en va à Impression de France parce que comme c'est des horaires, il y en a un qui commence à 15h15 et comme c'est l'un des rares trucs qu'on n'a pas fait à Epcot. Et puis surtout qu'on peut faire une sieste aussi. Ça dure 18 minutes, elle va être short la sieste. Mais ouais, on commence à être un peu crevé alors que bon, on doit rester HK ce soir. J'avoue que sur 18 jours c'est quand même fatigant parce qu'on a un rythme assez intense. Ouais voilà, 6h du matin, 21h tous les jours. Mais là du coup on va essayer de choper le spectacle et comme la France c'est pas non plus le quartier le plus proche, c'est plutôt pas mal de pouvoir marcher jusqu'à là-bas. Oh Woody! Allez c'est parti. Bon les amis, du coup on a fait tout ce qu'il fallait faire, on a fait toutes les attractions, Living with the Land, je vous mets la vidéo juste ici. Là je suis un peu dans le noir, j'ai bébé qui m'éclaire, hein. Voilà vous avez le caméraman là. Tout simplement parce qu'on a décidé du coup de faire le fast pass. Tu peux arrêter s'il te plaît. Du coup parce qu'on a pris un fast pass pour Disney et une Pixar short film. Et du coup je crois qu'on va voir des vieux films de Disney. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Et on a acheté du coup... Allez je parle avec ça.
ça me va. Et du coup, on a acheté le fameux popcorn au cheddar. Et le seul truc qu'on peut vous en dire, c'est que c'est super bon. Et le problème du popcorn au cheddar, c'est que vous finissez avec les dents jaunes, les mains jaunes. Enfin bon, voilà, ne vous essuyez pas sur les vêtements ou quoi que ce soit, parce que c'est une catastrophe. Vraiment, hein. Donc même avec une serviette, c'est une catastrophe. Donc faut aller vous rincer les mains, c'est vraiment pas pratique. Mais c'est super, super bon. Du coup, je pense qu'on va essayer le blue cheese qui est rouge après. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc. We're scientists from Epcot and the U.S. Department of Agriculture are exploring innovative ways to produce bountiful harvests now and into the future. The tropics are home to the greatest diversity of plants on the planet. Bon les amis, pour résumer ce qu'on a fait, on a fait Impression de France, qui est un vieux film sur la France, un peu trop vieux malheureusement, donc ça nous rend un petit peu nostalgiques, mais très très sympa, ça dure 18 minutes donc il faut le faire. Ensuite du coup on a regardé Disney et Pixar Animation qui était très très cool puisque c'est trois petits films qui changent, donc il y en a, c'est jamais les mêmes. Et là pour le coup on est tombé sur trois petits films qui étaient fortement sympas. Et c'était vraiment sympa à faire, donc du coup vous risquez pas de voir les mêmes en même temps que moi, mais c'était des petites animations Disney super cool. Et pour terminer, là on vient de faire Nemo, qu'on vient de refaire, et Soarin', qui était encore une fois de top attractions. Et là du coup on part au Canada puisqu'on ne l'a toujours pas fait. We are big blue world. Elle me regarde bizarre là. Mine. Avant de se lancer, arrête. Elle est belle attraction de nuit quand tu regardes la boule derrière. La boulette, comme je l'appelle. La boulette d'Epcot. Allez les filles. Super fun. C'était trop cool. Le film est à 360 degrés, il y a dedans un speaker et ça chante même en français à l'intérieur, du coup comme ils parlent français là-bas, donc c'est vraiment génial. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, et du coup je vous conseille d'aller le voir. C'est un peu comme la Chine, c'est un petit peu plus récent et un petit peu plus fun que celui sur la France. Celui sur la France franchement il faisait un peu vieux jeu quand même, hein. C'était vraiment en France des années 50, quoi. Il y avait encore des calèches à l'intérieur, des deux chevaux. C'était vraiment pas la France d'aujourd'hui. Mais par contre, le Canada, ça reflète plutôt bien le Canada, et en tout cas, ce que moi j'en voyais, donc j'ai beaucoup aimé. Et clairement c'est plus hallucinant que toutes les files d'attente fast pass que j'ai faites jusqu'à maintenant. En fait ça fait carrément une boucle, c'est un peu comme Pandora là pour le coup, il y a grave de monde qui a pris un fast pass. Donc bon là on est arrivé, ouais ça avance vite, de toute façon ça commence à entrer là maintenant, donc ça va avancer vite.